gloire au nom du Seigneur Jésus. Que ce soir encore, le Seigneur tire gloire de ce moment. Et je prie afin que ton oreille spirituelle soit ouverte. Je prie afin que ton cœur saisisse. Et je prie afin que tu sois transformé. C'est ma prière pour toi. Alors que je veux entamer la suite de l'enseignement que nous avons commencé ensemble le mercredi passé. Nous parlions de la puissance des objectifs. Laissez-moi nous répéter qu'un homme sans objectif, une femme sans objectif, est un cadavre ambulant. C'est un cadavre ambulant. Il n'a rien en lui. Et il ne peut rien faire sortir. Laisse-moi te dire que les objectifs n'ont pas d'abord besoin que tu aies beaucoup d'argent. Les objectifs n'ont pas d'abord besoin que tu aies une grande intelligence universitaire. Ce sont tes objectifs qui vont t'emmener à avoir ce que tu cherches. Celui qui a un objectif est une personne qui est en train de courir, mais pas comme à l'aventure. Paul l'a dit. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1 Corinthiens 9, 24 à 27? 1 Corinthiens 9, 24 à 27, je vais lire. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Que Dieu bénisse sa parole dans vos vies. Je parle de la puissance des objectifs. Bien-aimé, avoir une vision, avoir un objectif, c'est toute une puissance en soi. Combien de gens n'ont-ils pas gâché leur vie parce qu'elles se réveillent, elles n'ont aucune ambition. Bien-aimé, méfiez-vous de l'orgueil, mais soyez ambitieux. N'aimez pas l'orgueil, mais soyez ambitieux. Ayez un objectif. Qu'est-ce que je vise? Quand tu pries sans objectif, tu ne feras rien de l'exaucement qui viendra. Combien ne demandent pas de Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, rends-moi riche. Pour quel but? Donne-moi des millions. Pour quelle utilité? Dieu n'est pas un gaspilleur. Et Dieu aime traiter avec les gens qui ont un objectif. Parce qu'un homme, une femme qui a un objectif est un homme, une femme responsable. Un homme, une femme qui a un objectif est difficilement emporté par les vents. Un homme qui a un objectif est difficilement déraciné par les tendances, par les modes et toutes ces choses. Celui qui n'a pas d'objectif, il embrasse toute doctrine qu'il trouve. Il embrasse tout chemin qu'il voit. Celui qui n'a pas d'objectif va se lier d'amitié avec n'importe
n'importe qui. Que l'Esprit du Tout-Puissant soit ton garde-fou, afin que tu ne te lies pas d'amitié avec les briseurs de destinée. Celui qui a un objectif, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Si je me prive de ceci, ou si j'admets cela, ce n'est pas par hasard. C'est le fruit d'un calcul. J'ai un objectif. Alors ce qui ne m'amène pas à mon objectif est à écarter. L'objectif est de gagner. Alors je ne prendrai pas avec moi les choses qui peuvent me faire échouer. Les hommes et les femmes d'objectifs. Les chrétiens qui ont un objectif. Quand vous causez avec eux, vous sentez que lui, il ira loin. Par contre, ceux qui sont sans objectif, vous allez sentir qu'ils sont terre à terre. Terre à terre. Celui qui a un objectif, il s'élève au-dessus de la mêlée. Celui qui a un objectif, souvent ne s'arrête pas en chemin pour répondre au chien qui aboie. Celui qui a un objectif, le premier échec ne l'arrête pas. Celui qui a un objectif, il ne se détourne pas de son chemin aussi facilement. Celui qui a un objectif, il est même quelque part têtu envers la vie. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. Celui qui a un objectif ne s'arrête pas à la première douleur, à la première blessure. On m'a traumatisé, on m'a fait mal, on m'a mal accueilli, on m'a dit ça, alors je m'arrête. On ne m'a pas aimé, on ne m'a pas accepté, alors je m'arrête. La porte est fermée, alors je m'arrête. Celui qui a un objectif ne s'arrête pas à ces petites considérations-là. Celui qui a un objectif est déterminé. Il est déterminé. Parce qu'il porte en lui un rêve. Et il veut voir ce rêve devenir réalité. Celui qui a un objectif est comme une femme enceinte. Je prie afin que le Seigneur te rende enceinte aujourd'hui. Hommes et femmes, que Dieu te rende enceinte de quelque chose. Et tu dois absolument l'accoucher. La femme enceinte, souvent elle pense au jour de la délivrance. Elle attend ce jour. Celles qui sont déjà mères ne me contrediront pas. Elle attend ce jour. Je parle des vraies mères, pas des irresponsables. Elle attend ce jour. Et ce jour-là, elle lutte. J'ai souvent assisté à l'accouchement de mes enfants. Et permettez-moi en ce mois de la femme de dire chapeau aux femmes, bravo. À toutes celles qui sont mères, bravo. On me mettrait à leur place. J'allais m'évanouir avant le travail. Avant. Elle a mal. Elle souffre. Mais parce qu'elle tient à donner la vie, elle va le supporter. Elle va encaisser. Elle transpire. Elle crie. Même parfois, elle s'agrippe à quelque chose. Mais elle a un objectif. Il faut que la vie qu'elle a portée pendant 9 mois sorte. C'est ça son but. Et lorsque c'est enfin sorti, alors elle prend du repos. Elle se dit, j'ai accompli une œuvre utile sur la terre. À toutes les mères responsables, bravo. Bravo. C'est pas donné. Je vous assure, c'est pas donné. C'est pas donné. Si ces femmes qui portent des enfants n'avaient pas l'objectif, le but final de les accoucher, crois-moi, elles ont durant toute la grossesse, elles ont toutes les raisons de demander à Dieu d'enlever ça.
Les mamans savent que je dis vrai, n'est-ce pas? Tu as mal au dos. Tu as mal ici. Vertige par là. L'appétit qui manque. Et puis pour d'autres, elles vomissent. Les insomnies. Surtout les derniers mois. Beaucoup de choses. Les nausées. La bouche devient insipide, sans goût. Ou alors toutes les odeurs deviennent multipliées. Même l'odeur du parfum commence à t'ennuyer. La fatigue. Les pieds qui enflent avec des œdèmes. Le visage qui se déforme. Le corps de mis qui devient comme un corps, je ne sais pas, d'un gros veau. Excusez-moi, ce n'est pas une insulte, mais elle devient très grosse. Tu n'es plus aussi belle qu'avant. Il y en a qui fouillent ça. Elle ne veut pas avoir d'enfant dans sa vie pour ne pas être déformée dans sa ligne. C'est leur droit de penser ce qu'elles veulent. Mais celle-là qui accepte de porter ça et dans, à l'objectif de faire venir un homme sur la terre, elle supporte jusqu'au bout un objectif. Celui qui a un objectif est enceinte de quelque chose. Si tu as un objectif alors que tu m'écoutes, ne permet à rien ni à personne d'arrêter ta grossesse avant le temps. Ne permet à rien ni à personne de te faire avorter de l'objectif que tu as. Celui qui a un objectif, il est différent des autres. Paul vous dit, les athlètes qui courent, ils s'imposent toute forme d'abstinence. J'ai beaucoup aimé. Paul n'a pas dit on leur impose. Ils ont un coach. Ils ont un entraîneur. Mais on n'a pas dit on leur impose. Ils s'imposent. Pourquoi? Ce que l'on te dit de faire par l'entraîneur, tu es libre de le faire ou pas. Si tu ne veux pas, tu ne le feras pas. J'ai vu des très bons joueurs de football, mais qui étaient des très mauvais athlètes. Bon joueur, mais mauvais sportif. Bon parce que le talent il a, mais mauvais athlète. Parce que la discipline de celui qui a une vision, de celui qui a une ambition, de celui qui a un objectif, il ne l'avait pas. Il ne l'avait pas. On a vu qu'avant les matchs se saoulent. Il y a un match important demain, il va en boîte de nuit. Il passe son temps dans la musique et autres. Il a un match demain, il dort à 4h du matin. Ou il prend l'avion le même jour. Toutes ces choses. Je me rappelle encore d'un très grand joueur de football. Excusez-moi, j'aime beaucoup le foot, donc je prends beaucoup d'exemples là-dedans. Il parlait d'un autre grand joueur. Une légende parlait d'une autre légende. Il dit, un tel était un très bon joueur, mais un mauvais athlète. C'est ça qui a ruiné sa carrière. C'est ça. Pas d'objectif. Celui qui n'a pas d'objectif, il fait les choses à la vaille que vaille. Comme on dit en français, esui. Celui qui n'a pas d'objectif devient esclave du hasard. Il est esclave du hasard. Parce qu'il n'a pas d'objectif. Il vient pour descendre. Le hasard l'amène à gauche. Il va à gauche. Et puis ça le renvoie à gauche. Il repart à gauche. Et puis à gauche, il repart à gauche. Bref, il n'est pas descendu. Il est revenu au point de départ. Celui qui a un objectif est prêt à lutter pour ses objectifs. Il est prêt à se battre. Il est prêt à donner sa vie. Parce que son objectif, c'est une vision en elle-même. Demande à ton voisin, quel objectif as-tu? Dis-lui, quel objectif as-tu? Quand je parlais mercredi passé,
Je nous ai dit que notre premier objectif sur la terre devrait être le ciel. Le premier but du chrétien sur la terre, ce n'est pas de s'enrichir, ce n'est pas d'accumuler, ce n'est pas d'être connu. Ton premier but sur la terre, ce ne sont pas les likes, les vues sur Facebook et autres. Ton premier but, ce n'est même pas une assemblée remplie. Ton but premier sur la terre, chrétien, ce n'est même pas que ton nom soit connu. C'est le ciel, ton premier but. Le ciel. Je suis sur terre. Mon objectif, c'est le ciel. Et seuls les chrétiens qui ont le ciel pour but sont sérieux dans leur marche avec Dieu. Je vais le répéter. Seuls les chrétiens qui ont pour but le ciel sont sérieux dans leur marche avec Dieu. Parce qu'ils savent que je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, je lui refuse certaines choses, certains extras, certains plaisirs, même certains loisirs. Je le dis, tu restes là, tu vas nulle part. Pourquoi? J'ai un objectif. Alors je pèse les choses qui m'arrivent. Vais-je mettre en danger le ciel à cause de ça? Non. Je refuse. Je refuse. Est-ce que je veux compromettre le ciel à cause de tel avantage? Je refuse. Est-ce que je veux compromettre ma destinée éternelle à cause d'une chose qui va rester sur la terre? Non, je refuse. Vais-je investir dans les choses périssables au point de perdre les choses spirituelles et impérissable? Non, je refuse. Vais-je travailler pour un monde qui m'oubliera au détriment d'un monde qui me gardera éternellement? Non. Même les héros de nos histoires, de nos pays, de nos guerres, ils tombent dans l'oubli. Ils tombent dans l'oubli. On se rappelle d'eux à certains moments. À certains moments, un jour particulier, journée des héros, ah, on se souvient de lui. À un moment précis, ah, c'est l'anniversaire de la mort de papa. Ah, vraiment, papa, c'était quelqu'un de bien. Le lendemain, plus personne n'en parle. Mais quand ton nom est inscrit dans les livres de vie, quand ton nom est inscrit dans les livres de vie, le Seigneur dit, ton nom est constamment sur ma main. Constamment. Je vais te l'expliquer. À l'époque d'Israël, lorsque les hommes partaient à la guerre, les hommes et les grands enfants, les grands adultes garçons, la femme, la fiancée, la petite sœur et autres, elles restaient. Alors, pour se souvenir continuellement de celui qui est parti, pour ne jamais oublier de prier pour lui, pour le garder en mémoire, elles inscrivaient son nom sur la main. Ainsi, quand elle veut saisir quelque chose, la main lui rappelle. Quand elle mange, la main lui rappelle. Tout ce qu'elle fait, la main lui rappelle qu'un tel existe. Maintenant, Dieu dit, ton nom est constamment sur ma main. Constamment. Quand les gens devront attendre ton anniversaire pour se souvenir que tu existes, et même parfois ils oublient, Dieu n'oubliera jamais que tu existes. En quelque endroit du monde que tu es, n'oubliera pas. Fais-je compromettre ça pour des choses périssables? Non. Pourquoi? J'ai un objectif. Alors vous voyez à quel point les objectifs sont importants. Maintenant, quelle est leur puissance? Quels objectifs font dans ta vie? En quoi elles te sont utiles? Plutôt, en quoi ils te sont utiles? Un objectif. Premièrement,
Les objectifs permettent de canaliser l'énergie. Celui qui n'a pas d'objectif est dispersé. Dispersé. Paul dit, verset 26, « Moi donc, je cours. » J'aime la virgule. « Je cours. » Donc, tout le monde le fait. « Non pas comme à l'aventure. » Ah, « Je frappe, non pas comme battant l'air. » Autrement dit, il y a moyen de courir, mais comme à l'aventure. Il y a moyen de frapper, mais comme battant l'air. Il n'y a que ceux-là qui ont un objectif, qui peuvent rester focus sur une tâche. Il n'y a que ceux-là qui ont un objectif, qui peuvent rester focalisés sur une tâche. Celui qui n'a pas d'objectif, il est dispersé. Dispersé. Maintenant, tu comprends que certaines de tes prières sont des prières sans objectif. La preuve, tu les oublies deux jours après. Tu n'y tiens pas. Une envie, et puis tu pries. Seigneur, donne-moi une belle BMW comme le voisin, que l'on sache que je suis chrétien sans objectif. On va lire quelque chose ensemble. Luc 13, 31 à 32. Luc 13, laissez-moi vous lire trois textes comme ça. Luc 13, 31 à 32, pour te montrer qu'il n'y a que ceux-là qui ont un objectif qui peuvent rester focus. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, « Allez et dites à ce renard, « Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons, aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. » Autrement dit, dites à Hérode, « J'ai un objectif que je vais atteindre en trois jours. Je ne pars pas maintenant. Tant que je n'ai pas fini, je ne pars pas. Et j'aurai fini, pas aujourd'hui, pas demain, mais j'aurai fini le troisième jour. Donc Hérode ne me cherche pas. Je suis focus parce que j'ai un objectif. Je chasse les démons, je guéris les malades. Voilà mon objectif. Et je ne pars pas tant que je n'ai pas terminé. » Hébreux 10, 5 à 6. Hébreux 10, 5 à 6. Ce soir, je vais avec ceux-là qui lisent régulièrement la Bible, qui n'auront pas du mal à trouver rapidement les versets. Hébreux 10, 5 à 6. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il dit, tu n'as voulu ni ceci ni cela. Autrement dit, ces choses sont là, mais ça ne me distraira pas. Je sais que ce n'est pas ça l'objectif. Je suis venu pour autre chose de meilleur. Je suis venu faire ta volonté. J'ai un objectif. Jean 6, 14 à 15. Jean 6, 14 à 15. Vous y êtes? Yes. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Vous écoutez la déclaration? Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Focus. Je ne suis pas venu pour être le roi sur la terre. J'ai un objectif. Donc même les louanges des autres ne vont pas me distraire de mon objectif. Non, toi tu es le meilleur, toi tu es le plus fort. Non, toi quand tu prêches, toi tu as des dons exceptionnels, toi tu es intelligent, toi tu es un master, toi tu es belle, toi tu es mariée, toi tu es... Toutes ces choses, tout ça, focus. Pourquoi suis-je venu? Mourir pour les gens. Être roi sur terre, ce n'est pas mon objectif. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui le roi, il a fouillé.
il est resté focalisé. Ouais. Donc toute l'énergie qu'il avait, il l'a canalisée dans son objectif. Je prie au nom de Jésus, afin que l'Esprit du Tout-Puissant, que l'Esprit de Dieu t'aide à canaliser toute l'énergie physique et spirituelle que Dieu t'a donnée, afin que tu atteignes tes objectifs. Et quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Alléluia. Jésus refuse la royauté. On dit, celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Qui ne voudrait pas entendre ça? Ça, c'est l'employé de la semaine. Non, ça, c'est la femme qu'il me fallait. Ça, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On aime entendre ça. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Que la distraction peut parfois prendre une très belle forme. Quelqu'un m'a entendu? La distraction par rapport à ton objectif peut prendre une très belle forme. C'est la foule. Ils ont vu le miracle. Il a fait un miracle. Ils ont vu. Waouh! Jésus! 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 Et commence à dire entre eux, non, celui-ci est réellement le prophète qui doit venir dans le monde. Apparemment, il semble que Christ a atteint son objectif. Se révéler comme étant le Messie. L'envoyer, le messager qui veut venir dans le monde. Mais si je suis venu pour ça, et qu'on m'a reconnu comme tel, mon travail est fini. Je suis venu pour qu'ils reconnaissent, je suis le Fils de Dieu. Ils l'ont reconnu. Celui-ci est réellement le messager. Il fallait la distraction a pris une belle forme. Ils viennent pour le prendre, pour faire de lui le roi. Autrement dit, ils sont tous prêts à commencer une révolution pour lui. Ils sont prêts à affronter les Romains pour l'installer sur le trône. Or, Jésus connaissait la valeur du roi en Israël. Le roi était d'ordre divin. Donc quand il parle, tout le monde l'écoute. Ça semble être plus facile pour lui d'être le roi et de tous leur imposer. Convertissez-vous, croyez en moi. Ce serait plus facile. La distraction parfois s'habille sous une belle forme. Que l'Esprit de Dieu t'arrache de la distraction. Quelle que soit la distraction qui est entrée sur ton chemin pour t'empêcher d'atteindre ton objectif, en cet instant précis, je le chasse au nom de Jésus. Que ton esprit devienne clair. Les objectifs permettent de canaliser l'énergie, de ne pas se disperser, être le Messie, être le roi d'Israël. Distraction. Distraction. Deuxièmement, avoir des objectifs te rend conscient des dangers sur la route. Avoir des objectifs te rend conscient du danger sur ta route. Ceux qui n'ont pas d'objectif ne voient rien. C'est comme ça qu'ils s'arrêtent à la première douleur. Ils tombent dans les mêmes trous qu'on a creusés avant et que d'autres sont entrés avant eux. L'apôtre Dalo dit toujours, il n'y a pas de nouvelle gaffe. Il n'y a que de nouveaux gaffeurs. C'est très profond. Le même trou là, d'autres sont tombés dedans. Ça a été creusé avant toi. Mais comme tu n'as aucun objectif, tu viendras et tomberas dans le même trou. Mais celui qui a un objectif, il surveille ses alentours. Pourquoi? Je dois arriver quelque part. Y a-t-il une chose qui peut m'empêcher d'arriver? Il est vigilant. Il est conscient des dangers de sa route. Il est conscient que pour atteindre ça, l'enfer ne me laissera pas comme ça. Pour atteindre ça, ça ne sera pas donné. Il y a un prix à payer. Alors il veille. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent m'empêcher de... Verset 29, 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 10 plutôt. 1 Corinthiens 10, verset 27. Mais je traite durement mon corps.
et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Autrement dit, de peur de manquer l'objectif. De manquer l'objectif. Il est conscient des dangers. Pour dire ça, il faut être conscient qu'il y a des dangers. Bien-aimé, dans le chemin qui te mène à ton objectif, ton propre corps est ton premier danger. Ta propre chair est un danger. Ton raisonnement est un danger. Tes réflexes sont des dangers. Tes actions et tes réactions sont des dangers. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi Paul parle-t-il de son corps? Et pour, il ne parle pas du diable. Il n'a pas dit, je suis entré en prière et j'ai parlé aux démons, j'ai chassé les démons, j'ai ordonné qu'ils libèrent ma route. Paul n'a pas dit ça. Il dit, je traite durement pas mon voisin, mon corps. Parce que Paul était conscient que le plus gros danger sur le chemin de la destinée, c'est toi-même. Pourquoi c'est toi? Parce que s'il y a une personne de laquelle tu te méfies difficilement, c'est toi-même. S'il y a une personne de laquelle tu te méfies difficilement, et même parfois jamais, c'est toi-même. C'est toi. Dis à ton voisin, mon corps est un danger pour moi. Difficilement. Regarde comment facilement on peut indexer l'autre. Non, c'est sa faute. Avec quelle facilité on s'excuse soi-même. On se trouve des excuses soi-même très vite. Oui, c'est vrai, bon, je l'ai insulté, j'ai mal fait. Mais il a cherché quand même. Lui aussi, il m'a. Très vite. Très vite. C'est vrai que je l'ai frappé en coup de poing, mais il l'a mérité. C'est pas entièrement moi. Adam, as-tu mangé du fruit que je t'ai intérêt de manger? Adam n'assume pas. Il dit pas oui ou non. Mais non, tu me connais. C'est la femme que tu m'as donnée. S'il te plaît, là où tu es, en quelques secondes, là maintenant, c'est moi. Dis seulement au Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, apprends-moi à me méfier de mon propre corps. Que Dieu t'accorde l'exauce. C'est la femme que tu m'as donnée. Moi, Adam, j'y suis pour rien. Pour rien. Adam, dis-moi. La part du fruit que tu as mangé est entrée dans le corps de qui? De Ève. C'est entré dans ton corps à toi. Mais ce n'est pas moi. Paul dit, mais je traite durement mon corps. Il ajoute, je le tiens assujetti. Autrement dit, j'ai rendu mon corps esclave de moi. C'est moi qui décide. Et toi, tu me suis. Si je dis je jeûne, tu me suis. Tu te retrouves, hein? Non, moi, généralement, je n'arrive pas à jeûner. J'ai l'impression que vers 11h30, je vais mourir. Mon corps, si tu vas mourir, meurs, mais je ne te donnerai pas à manger. C'est moi qui décide. Pourquoi? J'ai un objectif. Je ne mettrai pas mes pieds là-bas. Je n'irai pas là-bas. Non, le corps veut absolument y aller. Non, tu ne peux pas rater ça. C'est un grand événement quand même. Un tel sera là. Un tel sera là. Je n'irai pas. Mon corps, tu restes ici. Encore un peu, on dirait comme on dit au chien. Tu appelles ton corps au pied. Et il obéit. Il obéit.
Ton corps a une laisse au cou et tu le tiens comme on tient un chien. Reste là. Tu vas nulle part. Je traite durement mon corps. Autrement dit, je ne lui donne pas tout ce qu'il demande. Que l'Esprit de Dieu t'aide aujourd'hui à devenir très sévère avec ton propre corps. Je prie encore pour que l'Esprit de Dieu te donne d'être très sévère avec ton propre corps. C'est une sévérité utile. Très utile. Très, très utile. Très sévère. Ou c'est toi qui as ton corps, silence. Tu ne diras pas ce mensonge. Il a envie de le dire. Pour que l'on sache que lui aussi connaît l'histoire. Mais tu sais que ton corps va mentir. Tu dis, tu te tais. Le corps te rappelle, mais tout le monde parle, tout le monde donne son avis. Si tu ne parles pas, on croira que tu ne connais pas le lieu. Je ne connais pas, je ne mentirai pas. Toi, c'est toi. Tais-toi. Le corps te rappelle. Tu sais comment elle est jolie. Non, tu as vu ce garçon. Wow. Non, mais regarde deux fois. Mon corps. Ici. Tu restes là. D'ailleurs, du reste, on part. Allez, suis-moi, on y va. Comme faisaient nos mamans quand on était petits, parfois. Moi, je me rappelle d'un jour où je suis allé jouer au football dehors sans demander la permission. Je voudrais avoir, je crois, 11 ans ou 12 ans. Juste l'école voisine de chez nous où on habitait. Et pour la première et la dernière fois, c'est ça passé qu'une seule fois. C'est ma mère qui est venue me prendre sur le terrain de foot. Dès que je l'ai vu de loin, j'ai compris que j'ai fait une gaffe. Je suis arrivé près d'elle. J'ai reçu une bonne gifle. Et puis elle m'a dit, allez, passe devant, on y va. Elle était derrière moi. Avance. Je partais avec regret. J'avais tendance à regarder le terrain de foot et les amis qui étaient restés. C'était la seule fois que ma mère s'est déplacée jusque-là pour me prendre. Fais comme ça avec ton corps. Non, mais est-ce que tu as vu? Passe devant, on y va. Allez, on y va. Et il doit obéir. Je traite durement mon corps. Parce que je sais que si j'ai un objectif, je dois être vigilant des choses qui, sur mon parcours, veulent me faire quitter la voie de mon objectif. Ma prière est que le Seigneur fasse de toi qui m'écoute un homme ou une femme qui atteint son objectif et qui est conscient des dangers qu'il y a sur le parcours. Celui qui n'a pas d'objectif est très naïf. Il croit que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il croit au hasard. Mais on s'est venu comme ça. Par hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des plans. Ou de Dieu, ou de l'enfer. Il n'y a pas de hasard. J'ai un objectif. Je regarde parce que la puissance de l'objectif, c'est de me faire comprendre, me faire prendre conscience qu'il y a des dangers sur ma route. Que l'ennemi veille. Il veille. Il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Il n'est pas là par hasard. Et enfin, troisièmement, avoir des objectifs modifie la façon de concevoir la vie. Avoir des objectifs modifie la façon de concevoir la vie. 1 Corinthiens 9, le verset 24. La question est posée. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, j'aime beaucoup, mais qu'un seul remporte le prix?
courez avec l'objectif, courez avec la vision, courez avec l'ambition de le remporter. Merci Jésus. Merci Jésus. De manière à. Bien-aimé, lorsque tu as des objectifs, forcément, ça modifie ta façon de concevoir la vie. L'héritier qui n'a pas souffert et qui n'a pas pour objectif de faire valoir son héritage, de le multiplier pour à son tour le léguer, celui-là, sa façon de concevoir la vie est différente de l'héritier qui sait que moi aussi, à mon tour, je dois léguer un héritage. Je dois protéger le patrimoine, je dois augmenter le patrimoine, je dois le diversifier et léguer à d'autres. Les conditions de vie sont différentes. J'ai eu cet avantage très tôt dans ma vie de fréquenter, comme je vous l'ai toujours dit, des enfants de, entre guillemets, bonne famille. Je dis entre guillemets parce que la bonne famille est celle qui connaît Christ. Pas celle qui a l'argent. Et j'ai vu la façon de réagir et d'agir, la façon de concevoir la vie de plusieurs d'entre eux. Déplorable. Et aujourd'hui, certains n'ont rien dans leur héritage. Au lieu d'être des multiplicateurs de l'héritage, ils en sont réduits à être des vendeurs de leur héritage. Et sur 50 ou 60 maisons que le papa a laissées, il n'en reste que deux et qui font l'objet d'un procès. Pour les 16 enfants et les deux femmes qui sont restées. La façon de concevoir la vie, elle change. Quand tu n'as pas l'objectif, ce n'est pas grave, demain il y en aura. C'est pas grave. Tu crois que demain il y aura la manne le matin. Tu te réveilles de chez toi le matin. Tu ouvres la porte. Il y a la manne. Comme certains croient. Ce n'est pas impossible, Dieu est capable. Mais beaucoup le croient. Il prie très fort. Et puis regarde sous le lit. Si par hasard il n'y aurait pas quelques bottes de dollars. Le miracle existe. Mais Dieu ne forme pas des enfants gâtés. Quand tu as des objectifs, ta façon de concevoir la vie change. Tu sais qu'il faut te battre. Tu sais qu'il faut la foi. Tu sais qu'il faut la persévérance. Tu sais qu'il faut de l'amour. Il faut du soutien. Il faut des contacts. Ta façon de concevoir la vie change. Tu sais que s'il y a la saison sèche, la saison de pluie aussi arrive. Tu le sais. Tu sais qu'il n'y a pas que le printemps ou l'été. L'hiver aussi arrive. Mais quand tu n'as pas un objectif, tu es exactement comme la cigale dans la fable de la fontaine. Qui connaît ça? La cigale et la fourmi. La cigale est enchantée tout l'été, n'est-ce pas? Tu te rappelles l'école primaire. Quand le froid arrive, elle n'a pas de nourriture. Elle n'en a pas. Pourquoi? Elle dit: tout le temps, moi, je chantais. Elle profitait du soleil, du beau temps. Un tel est là, j'ai un bon boulot, j'ai un 3000, un 5000, un 2000 à la fin du mois régulier. Je suis encore étudiant, on paye pour moi les études. Donc, tout va bien, quoi. En cas de pépin, je n'ai qu'à dire, non, il me manque ceci. Bon, on te dit, passe au bureau, viens prendre 50. Non, il me manque cela. Tout va bien. On profite du soleil. Mais quand tu vois ce que la Bible dit de la fourmi, Proverbe 6, va vers la fourmi paresseuse.
dit, elle n'a ni maître ni inspecteur. Elle n'a pas de chef. Mais elle amasse sa nourriture en été. Pourquoi? La fourmi reste consciente. J'ai un objectif, il faut survivre pour que la communauté continue à exister. Mais dans mon chemin de survie, maintenant c'est l'été, c'est bien. L'hiver va arriver. Pendant l'hiver, il n'y a pas de nourriture. Alors que faire? Sa conception de la vie change. J'apprends à chercher la nourriture maintenant. Et nos ancêtres disent, il faut chercher à connaître le prix de la chikwang quand ton père est vivant. C'est maintenant. Moi, je bénis Dieu de m'avoir très vite détaché des ressources de mon père. Je dis merci Jésus. Merci. Ça a fait pleurer à l'époque. Ça a fait souffrir. Deux pantalons, une seule paire de chaussures. Peu importe. Mais aujourd'hui, merci. Bravo Jésus. Parce que j'ai appris à chercher mon pain. En ce moment-là, je n'ai pas attendu de me marier et que toutes les enveloppes qu'on donne à la fête du mariage soient épuisées pour commencer à concevoir la vie différemment. Objectif. Objectif. Que l'Esprit de Dieu t'emmène à modifier ta façon de concevoir la vie. Que l'Esprit de Dieu t'emmène à être conscient des dangers qu'il y a sur la route vers ton objectif. Et que l'Esprit de Dieu te permette de canaliser l'énergie spirituelle, l'énergie physique, le potentiel économique, financier, matériel, familial, sentimental, amical, national, qu'il a mis en toi parce que tu as un objectif. Est-ce qu'un saint peut-il prier avec moi? Un saint peut-il prier avec moi?